explain what happened in the House yesterday? Did the Prime Minister use unparliamentary language? Things got very boisterous yesterday on all sides. It was extremely noisy, a lot going on. I think emotions can run high, but I think it's important we get back to business today and move forward with the business of the nation and for everybody to have a more even tone as we come into today. Is there anybody an apology? The House was extremely boisterous. It was very loud in there. I heard things on the other side. I heard language used on the other side. And this happens where things get very excited and boisterous. And I think we all have to show restraint, even when there's when there's emotionality there. So I think when we come into today, I'm expecting things to be more even. Yesterday was a very emotional day, and as I say, looking across the aisle, there was so much noise I couldn't really hear what was going on for most of question. You didn't hear the Prime Minister swear? There was an enormous amount of noise. I didn't. Think that we yesterday was just too got too emotional. Why? And why was it so emotional yesterday? I think the reason why I think there were a lot of issues that that touch people very closely. That happens regularly, and the other side got very upset. There was the constant level of noise. I heard a lot of things on the other side. I don't focus on those. I saw a lot of members yesterday saying a lot of things. I think it's not how we should be spending our time. I think we need to be spending our time on issues. I don't spend a lot of time saying, I heard this member say this off camera, I heard that member say this off camera. I'm sure it's salacious and interesting, but it doesn't serve the business of the nation. Vous parlez de l'autre côté de la chambre, vous dites, j'ai entendu des choses de l'autre côté de la chambre, les esprits qui s'échauffaient, mais vous, de votre côté de la chambre, est-ce que les libéraux ont une responsabilité à prendre, ont une part du blâme à prendre pour ce qui s'est passé? Oui, absolument. Chaque jour, on a une responsabilité comme gouvernement de rester calme et professionnel. Et ça, c'est chaque jour, je pense que pour notre côté, ça, c'est le cas. Et regarde le période de questions, c'est notre côté et calme. Et c'est tellement rare que quelqu'un dit quelque chose dans notre côté. Et chaque jour, l'autre côté, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui l'autre partie a dit chaque jour. Mais après la période de questions, je ne suis pas ici de dire « Oh, hier, le Parti conservateur a dit ça » ou « Le député là a dit ça ». Et ce n'est pas l'école, OK? Mais est-ce que Justin Trudeau a sacré? Pardon? Est-ce que Justin Trudeau a sacré? C'est pour moi, il y a beaucoup de bruit hier, et c'est pour moi, c'est pas les choses qu'une personne dit ou l'autre, c'est pas l'affaire du gouvernement. C'est pour moi, chaque jour, que je n'ai pas arrivé ici, j'entends beaucoup de choses, chaque jour. Je regarde le député de l'autre côté qui dit ça ou ça, et je ne pas aux médias de dire « Oh, le député là a dit ça ». C'est pas convenable pour moi. Il y a des faits, on doit continuer les faits du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui ont regardé la période de questions hier puis qui ont vu là, toute la cacophonie? Qu'est-ce que vous leur dites? Généralement, pendant la période de questions, c'est pas acceptable. Le bruit, l'agression du Parti conservateur. Et ça, c'est le cas chaque jour. Et c'est tellement facile de regarder. Qui est responsable pour ça chaque jour? C'est fatigant, vraiment, de regarder le bruit et l'obstruction et l'agression du Parti conservateur chaque jour. C'est tellement fatigant. Et c'est pour moi, c'est pas acceptable. C'est une place d'affaires. Et alors, c'est important de rester calme, de parler dans une ton respectueuse et de ne pas créer le bruit comme ça chaque jour. But was the Prime Minister's tone respectful yesterday? I think that the Prime Minister, in all instances, is exceptionally professional in trying to deal with the emotionality and everything that's coming out in the House. I think that what we have to try to do is to reduce the intensity of what's happening in the House. And what I will say is that if you watch question period, and really watch it every day,
the level of noise. We have members standing up who cannot be heard. We have Elizabeth May, who is in a corner, who can't hear questions even with her the device in her ear to listen to what's happening. And the shouting, the yelling, the comments, all the things that is a constant barrage has got to stop. And that if we want a respectful tone, you can't scream and scream and scream and scream and scream and scream and expect that that is something that is appropriate to continue. And this is unfortunately what we see. And it is very evident in the House that all of that noise and all of that bluster is 95% of the time created by one side of the House. And I think that it's got to stop. So you're suggesting the question is the same? No, I'm not. What I'm suggesting is that we can do better as a chamber. And I talk with our members all the time that no matter how much you're being yelled at, screamed at, no matter how inappropriate they get, that we have to do our best to not engage in the same type of behavior. But I think that there is a responsibility. If you are the party that is screaming and yelling and causing disruption and doing this all the time, as I say, I don't run out to the microphone. I saw multiple members yesterday on the other side say all kinds of horrible, offensive things. I see it, frankly, every day. And I don't run out to the media and start talking about it. Instead, what I do is talk to their House leader and to their whip and say, this is inappropriate. Can we all agree to reduce the temperature? Because what we need is a House that is civil, that has conversation, that is civil, that allows the discourse of the nation to happen in a way that's appropriate to what Canadians expect to have, which is this is a professional workplace. And I think that that constant barrage of noise and of yelling all kinds of inappropriate things, I'm not into gotcha to say this member said this, that member said this. I'm just trying to say, let's reduce the temperature overall. I'm hoping today that we're going to come in and that everybody is going to take a deep breath and really just focus on engaging in the issues and reducing the emotion. Allez-vous en parler avec le leader parlementaire conservateur? Dans ce cas-là, vous dites qu'il faut en parler entre leaders. Yeah. Allez-vous le faire? J'étais l'ancien whip du Parti libéral et j'ai beaucoup de conversations avec l'autre côté de réduire la partisanerie. Et je vais parler encore avec l'autre whip, avec l'autre leader pour le Parti conservateur particulièrement, de dire qu'on a besoin d'une plus de respect, plus moins de partisanerie. Et je pense que ça, c'est essentiel pour nous de continuer de faire le travail de le pays, mais aussi pour la population généralement, de voir que le Parlement est une place respectueuse. Depuis tout à l'heure, vous dites 95% du temps, c'est les conservateurs qui crient des choses. Est-ce que vous n'êtes pas en train de continuer la rhétorique puis de pointer du doigt l'autre en disant « Non, non, c'est leur faute, nous, non, on n'a rien à voir avec ça. » C'est un bon point. Okay? Alors, même si on est responsable pour 5 ou 10%, c'est important d'éliminer ça totalement. Et c'est pas acceptable d'avoir l'agression généralement. Et c'est le défi chaque jour, de dire, même si l'autre côté est tellement agressif, même si que l'autre côté a dit des choses ridicules, nous sommes responsables de gérer le contrôle, et c'est difficile, honnêtement, quand l'agression est comme ça dans l'autre côté. Mais chaque député, chaque parti a avoir une responsabilité lui-même. Et alors, pour nous, et de temps en temps, j'ai fait des choses aussi. Et c'est, j'arrive dans un point de frustration et j'ai dit des choses. Mais ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas important que si la personne de l'autre côté dit des choses mauvaises. C'est important de rester calme. Mais pour moi, c'est important d'avoir une responsabilité pour toutes les parties pour ça. Et pour chaque personne d'avoir une perspective comme ça. Et ce n'est pas acceptable dans un côté de créer beaucoup de bruit et de dire des choses mauvaises, de swear, mais dans l'autre côté, c'est pas acceptable parce que l'autre personne a une réaction quand j'ai dit des choses. Prends les responsabilités lui-même, s'il vous plaît. Et pour nous,
ça, c'est important pour toutes les personnes de prendre la responsabilité. Merci. Good morning, everyone. Look, CASA's situation and the lineup security at airports is a concern of mine. I'm really concerned about the frustrations that Canadians and travelers are feeling. So we've been working with CATSA and airports and airlines over the last few weeks to figure out what can we do other than adding resources. Can we streamline certain processes? Can we cut some challenges or obstacles that could help us expedite this? I'm out of breath, sorry. but we're working on it. We're working on it. Why are adding resources not an option? Oh, adding resources is an option. But given the significant increase, we need to look at the adding resources is not going to be able to keep up as quickly as the increase in demand. So we need to look at other short-term options that we can help alleviate the pressure. How did we get into this situation in the first place? Well, we're seeing this in all sectors of our economy. We're seeing imbalance in our economy once we are turning, moving out of COVID. So we're seeing supply, supply chain challenges. That's the word I was looking for. And we're seeing it in all sectors of our economy. Certainly, we're seeing a lot of travelers now are happy and keen to travel again. So we're seeing the demand imbalance with demand and ability to reply or the capacity to respond to that demand. So we're doing everything we can to respond to it as quickly as we can. On charter flights, it's been weeks that you promised for Ukrainians that they would have access to charter flights. What is taking so long? It's a logistical challenge to figure out where the individuals who want to come to Canada are, because many people have moved from where they were when they first applied for a visa. So we're working on the logistics issues, but I'm hoping that we have better answers quickly. And how are the discussion with the airlines going on that? Airlines are ready to assist, and they're keen on partnering with us on this. Okay, thank you. Des détails sur les ajustements qui peuvent être faits à la loi canadienne sur la santé. Quels sont les scénarios qui sont regardés? Ben, il y a deux choses. Il y a la loi et il y a les règlements. La loi, elle est claire. Les règlements sont solides aussi. Là, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que ces règlements soient respectés davantage dans certaines provinces. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On est en contact avec mes collègues ministres de la Santé partout au pays. On est tous d'accord pour l'objectif de faire mieux, et donc on va le faire ensemble. Le Nouveau-Brunswick s'est fait retrancher des fonds, mais c'est quand même une somme qui n'est pas si élevée que ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de rendre les pénalités plus sévères? Bien, on préfère l'approche d'encouragement et l'approche aussi qui repose sur des partenariats avec des organisations communautaires pour non seulement que les services soient disponibles, mais que les gens aient accès à ces services et qu'ils aient de l'information sur la disponibilité de ces services. C'est souvent un enjeu d'accès plus qu'un enjeu de respect ou de loi, de respect de la loi ou de respect des règlements. C'est pour ça que c'est sur cette base qu'on va travailler avec eux. Mais je parle des fonds qui sont retranchés, des transferts en santé. On parle, je pense, de quelques dizaines de milliers de dollars qui n'ont pas été versés au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y aurait moyen que le prix à payer soit plus élevé? Parce que ça ne semble pas les convaincre là, en ce moment de financer la clinique qui a dû fermer ses portes. À nouveau, il y a deux choses. Il y a l'approche qui repose sur la réglementation actuelle, s'assurer qu'elle est respectée, et il y a des mécanismes prévus, mécanismes financiers dont vous parlez, qui sont là et qui s'appliquent. La deuxième approche, c'est l'approche d'encouragement, de travailler ensemble, parce que je pense que les provinces et territoires, et mes collègues certainement, voient depuis déjà quelques jours que non seulement c'est une question de droit, mais c'est une question aussi d'accès et d'information. On travaille avec eux là-dessus, et on travaille aussi avec d'autres organisations communautaires, d'autres partenaires, pour faciliter à la fois l'accès et l'information. Comment le montant est déterminé? Merci beaucoup. C'est quoi le risque? C'est quoi le risque de se lancer là-dedans? Parce que ça ouvre un peu une boîte de Pandore. Pour le moment, il y a comme un genre de statu quo au Canada. Si on se lance dans ce genre de réforme-là, c'est quoi le risque?
On ne parle pas de réforme. À nouveau, la loi est claire, les règlements sont clairs. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que, à la fois, l'information et l'accès aux services soient davantage disponibles. Quand on parle de revoir le cadre législatif, vous allez rien faire en ce moment? Alors, une petite seconde pour parler du cadre législatif entourant l'avortement. J'ai la difficulté à saisir. Qu'est-ce que vous étudiez présentement, M. Dupont? Qu'est-ce que vous surveillez? Évidemment, je ne vais pas divulguer ce qu'on est en train de discuter autour du cabinet. Je peux vous dire ce qu'on a déjà fait. Donc, dans le projet de loi C-75, le dernier Parlement, on a rayé l'article du Code criminel qui a été effectivement rayé par l'arrêt Morgenthaler. Donc, et puis, dans le projet de loi C-3, on protège, donc pour protéger les travailleurs en santé, ça protège aussi les cliniques qui offrent des services. Pour les manifestations, exactement. Exactement, exactement. Donc, ça, je comprends, mais quand on parle donc, de revoir le cadre législatif. On a des options sous la loi, évidemment, sur la santé, la loi canadienne sur la santé. Donc, être plus sévère envers les provinces? C'est une option que le premier ministre a soulevée hier et vous l'avez vu au passé avec le Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une option. Évidemment, il y a d'autres options. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas divulguer ce qu'on est en train de discuter. Mais déjà, on a fait beaucoup. Et je crois sincèrement que l'encadrement au Canada est déjà supérieur dans le sens qu'on se base sur l'article 7 de la Charte. Et ça a été renforcé dans l'arrêt Morgenthaler. C'est très difficile, je crois, de renverser un tel encadrement juridique. Il y a certaines personnes qui disent que si on renforce le cadre légal, ça pourrait ouvrir des brèches. Si on présente, par exemple, un projet de loi, certains, comme des conservateurs, pourraient en profiter pour restreindre plutôt l'accès. Ça pourrait ouvrir les brèches pour avoir l'effet contraire voulu, finalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est légitime comme ça? C'est quelque chose qu'il faut, évidemment, étudier. Mais comme j'ai dit, la base canadienne, si on veut, est très forte. Dans le sens que c'est basé sur un article de la Charte directement. L'article 7? L'article 7 de la Charte. Merci. OK, merci. Under consideration something to prevent loopholes from variants slipping through? Well, it was very important when we took the decision to ban through an order in council AR-15s and other assault-style rifles. These are some of the most deadly firearms which have been manufactured. They have no place in our communities. We are working very diligently to ensure that that law is also supported by a mandatory buyback program, which will allow people who have been grandfathered through an amnesty provision to be fairly compensated in the surrendering of those firearms, I beg your pardon. And with regards to how we can further strengthen restrictions around deadly firearms like AR-15s, we continue to engage with communities. We continue to engage with a variety of partners in the space. Is a national handgun ban on the table? Well, what's very clear is that the mandate letter from the Prime Minister to me does call for collaboration with provincial and territorial governments who do share in some of the responsibilities around how we transport and store guns, including handguns, and we hope to continue that work. I've had meetings with my Quebec counterpart, my Newfoundland and Labrador counterpart, my British Columbia counterpart was just out there very recently. So continuing to engage so that we can take a very consistent and national approach across the country. Monsieur Mandetino, avez-vous parlé au juge Rouleau depuis que son enquête a été déclenchée? Quelles sont les discussions que votre bureau et son bureau avaient? Mais tout d'abord, le gouvernement a promis la transparence sur les décisions sur l'invocation de la loi de mesures d'urgence. Donc, ça, c'est la raison qu'on avait lancé et commencé l'enquête publique avec le juge Rouleau. Le juge Rouleau avait beaucoup d'expérience comme juriste, pas seulement... Attends, mais lui avez-vous parlé? Est-ce que mais bureau... elle,
il a toutes les autorités pour assurer qu'il y a le record d'information, pour assurer tout le monde que la décision est correcte, et peut-être d'avancer quelques suggestions et recommandations. Est-ce qu'il vous a demandé des documents jusqu'à présent? Le processus était totalement indépendant. Quand on parle des biens russes gelés au Canada, là, on n'en a pas gelé encore au Canada. Est-ce qu'on en a gelé? Comment? Les biens russes, the Russian assets that have been frozen. Est-ce qu'on a gelé des biens russes? Mais on avait lancé des sanctions à eux qui a un attachement à la Russie. C'est une de les plus fortes réponses aux causes de l'invasion illégale à l'Ukraine. Est-ce que ça a quelque chose? Est-ce qu'on a gelé des biens ici au Canada, oui ou non? Mais écoute, mes collègues, la ministre Joly et même des autres dans notre gouvernement travaillent très fort pour étudier l'enjeu, mais notre position est très fort sur le sujet de sanctions contre la Russie. Dernière question. Vous êtes pas capable de me dire si oui ou non on a gelé des biens russes au Canada. Vous n'avez pas cette réponse-là. On prend l'action qui est nécessaire pour assurer que les sanctions ont un impact concret. Il y a le NPD qui demande que le vote soit maintenant à 16 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, ce que j'en pense, c'est que pour pouvoir aller dans les bars, ça prend 18 ans, ça demande une certaine maturité. Ça fait que moi, 18 ans, là, c'est un âge qui convient parfaitement. Merci. General Wayne there is saying that, like, Canada needs to up its, procurement in terms of new defense spending, new defense materials. So what's going on in that front? What are the priorities here? So I would say, first and foremost, we always want to ensure that our military has the equipment that they need. We know that they are stepping up and making the greatest sacrifice, the sacrifice of their own lives to protect us. So the government is committed to providing what the military needs to keep them safe so that they can keep us safe. And so in the procurement front, we're going to continue to procure what defense asks of us and look forward to, you know, moving forward in that regard. What are the top asks? Yeah, what are the top asks? We know that the inventory has sort of been dwindled down with what yes. we have to give to Ukraine, but what are the main asks right now? Well, this is ongoing, right? And so as defense asks us and reaches out to us as our client to say this is what we need, we're going to respond to those asks. It became pretty evident that, you know, other countries could give Ukraine javelins and Stinger missile launchers, yeah. Whereas we didn't have any to give. We were giving Carl Gustavs. Is updating and modernizing Canada's military inventory a top priority? I think, well, you know, I defer to Minister Anand on this in terms of the specific ask. She's working very closely to ensure that we are working together with our allies to provide whatever supports we can provide. And I think we're making significant gains there. So, but with respect to the specifics, I would refer to her. We are doing everything we can in order to support the Ukraine. Thank you. On est en discussion. Vous savez, j'ai rencontré le président de Medicago qui est venu nous voir, je pense, la semaine dernière ou l'autre. Et comme je l'ai dit, on est en discussion pour trouver une solution. Moi, j'ai toujours dit, c'est important. Medicago, c'est notre solution sur la base de plantes pour des vaccins. Alors, vous savez, dès le départ, on a Moderna, évidemment, qui s'en vient à Montréal, on a Novavax, et on voulait aussi avoir une solution au niveau des plantes avec Medicago. Alors, moi, je pense que la technologie, les experts s'entendent pour dire que c'est le genre de technologie qu'on a besoin pour assurer plus de résilience. C'est tout à fait en ligne avec la vision qu'on avait dès le départ de dire on veut avoir une position sur toutes les plateformes de vaccins. Et ma discussion avec le président de Medicago, quand on s'est vu, c'est de travailler ensemble vers une solution. Alors, on va continuer de travailler ensemble, mais certainement, on veut voir Medicago à Québec. On veut les voir avoir du succès, puis on veut les avoir dans notre portfolio de vaccins pour assurer la santé et la sécurité. Est-ce que la solution, c'est qu'ils changent leur formule d'activité? Ben, ça leur appartient, évidemment. C'est pas à moi, comme ministre de l'Industrie. Vous savez, l'actionnariat de ces grandes compagnies-là, ça fluctue avec les années. Mais c'est clair que le président de Medicago, c'est le président de Mitsubishi Watanabe, donc au Japon, qui est venu nous voir. Qui comprend très bien le potentiel de Medicago et qui, lui aussi, a cet objectif-là, travailler vers une solution. Donc, on va travailler ensemble là-dessus. Le droit de vote à 16 ans, vous en pensez quoi? Écoutez, ça sera une discussion qu'on devra avoir.
dans notre société, pas seulement ici, mais je pense plus largement dans la société. Et ça va sûrement venir dans les mois, les années à venir. Mais c'est une discussion, une réflexion de société. C'est une réflexion qu'on devra avoir en écoutant. J'aimerais ça voir aussi un peu les experts, ce que les experts disent d'un côté ou de l'autre, puis ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense qu'évidemment, les choses évoluent, mais il faut aussi voir un peu les impacts, comprendre ce qui s'est fait dans d'autres pays et consulter. Moi, je pense que si on va dans une direction comme celle-là ou non, bien, je pense qu'il faut prendre le temps de consulter pour prendre la meilleure décision dans l'intérêt de tout le monde là-dessus. Bonjour. Ça va bien? Excellent, merci. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les débats en chambre, là? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les conservateurs essaient de faire de l'obstruction ou pas? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Pardon, répétez la question. En chambre, pour l'adoption, notamment des projets de loi, il y avait certaines procédures ce matin qui avaient l'air un peu bizarres. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait, vous avez des choses à dire? Oui, il semble que le Parti conservateur a essayé d'obstruire la législation chaque jour. Et c'est frustrant, ça, parce que c'est pas acceptable pour une partie de chaque jour d'obstruire la législation et le travail du Parlement. Mais ça, c'est la position du Parti conservateur maintenant, de continuer d'obstruire les législations et le travail du Parlement chaque jour. Mais c'est en même temps, c'est leur travail aussi de surveiller ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le travail légitime des parlementaires et ce qu'ils font? C'est pour moi, c'est légitime de poser des questions, de critiquer la législation, mais d'obstruire totalement la législation et de bloquer le Parlement, de faire le travail du Parlement. Ce n'est pas acceptable, ça. Mais c'est une option. Mais c'est le Parti conservateur n'était pas un gouvernement majoritaire, mais il agit comme il y a une partie avec une majorité de bloc toutes les autres parties de continuer avec leur travail. C'est frustrant, mais alors on doit travailler avec des autres parties d'éviter le blocage du Parti conservateur. Okay, merci. Okay, merci.